Je m'appelle Jean Pirotte, je suis né en 1940 à Bastogne, dans l'Ardenne wallonne. Et mon père était facteur, ma mère était femme au foyer. Ils ont eu 8 enfants, ils savaient compter exactement. Il y avait 4 garçons et 4 filles. Ils descendent tous les deux d'une lignée de paysans sans terre, puisqu'ils étaient locataires de leur femme, les parents des deux côtés. Et mon père était l'aîné, il était faire fortune à la ville. La ville, c'était Bastogne, une petite ville de quelques milliers d'habitants, où il était facteur de poste. Et il a eu 8 enfants, je suis le cadet. Et en tant que cadet, ma foi, ma place dans la famille était, je dirais, imposée par les 7 qui me précédaient. 7 qui me précédaient, qui étaient parfois, je dirais, fort présents et fort prégnants dans mon éducation. Je me suis un peu constitué une mentalité de cadet de famille qui doit faire son chemin en dehors des voies tracées par les autres. Bon. Et alors, mon parrain et ma marraine étaient ma sœur aînée, mon frère aîné, qui exerçait une grosse influence dans la famille, puisqu'on a des familles nombreuses, souvent le père et les parents se confient un peu aux aînés le soin de s'occuper des plus jeunes. Mon père était facteur des postes et nous vivions dans une... La mentalité familiale était très, très, très importante, parfois même un peu étouffante, parce que si mon père était assez ouvert sur le plan social, c'était plutôt la gauche chrétienne, enfin la gauche militante chrétienne, mais sur le plan moral, c'était le rigorisme moral assez, assez fort, avec une imprégnation catholique très très marquée, au point que deux de mes frères sont devenus prêtres et une sœur est devenue carmélite. Ce qui veut dire que l'imprégnation religieuse était très marquée. C'est dans ce climat que j'ai grandi. En 1940, je suis né en octobre, ce qui veut dire que le pays était occupé par les Allemands. La Deuxième Guerre mondiale, qui avait commencé en mai 40, je suis né, donc ma mère m'a attendu pendant les affres de la guerre. Et en octobre, je suis né. Mais mes premiers souvenirs sont marqués par la guerre, parce qu'en fait, pendant l'occupation, les choses ont été relativement calmes, sauf que mon père s'est un peu occupé, enfin, si je puis dire, occupé, il a fait un peu une résistance passive, parce qu'en tant que facteur, il détournait des lettres qui étaient destinées aux autorités allemandes, notamment des lettres de dénonciation, quand des voisins bien intentionnés dénonçaient les gens contre lesquels ils avaient des choses à des récriminations. Quand mon père percevait que ça pouvait être des lettres de dénonciation par l'expéditeur, il les embarquait à la maison à midi, il les ouvrait. Si c'était ça, il les mettait au feu. Et alors, il détournait aussi des lettres pour le travail obligatoire, lorsque c'était donc le travail obligatoire qui était destiné à une des personnes auxquelles il distribuait le courrier. Il les ramenait à la maison, si c'était ça, il écrivait dessus. Parti sans laisser d'adresse, s'était retourné à l'expéditeur, ce qui veut dire que les Allemands classaient ça sans suite, et puis les choses allaient suivre leur cours. Donc il a risqué sa vie, parce qu'en fait, s'il avait été pris, c'était le minimum les camps, et dont on ne revenait pas souvent. Alors, mais moi-même, j'ai des souvenirs de la guerre, parce qu'il se fait qu'en septembre 44, les Allemands ont quitté la Belgique, ils étaient refoulés par le débarquement, ils arrivaient en Allemagne. Mais ce qu'on ne pouvait pas imaginer, c'est que le 16 décembre, quelques mois après avoir été éliminés des frontières et repliés sur le territoire allemand,
Hitler lance l'offensive von Rundstedt. Il masse des troupes pratiquement en cachette, enfin à l'insu des alliés à la frontière. Et il y a une attaque foudroyante et massive en Ardennes, qu'on appelle l'offensive des Ardennes, ou l'offensive du Saillant, ou l'offensive von Rundstedt. Et Bastogne, le lieu de ma naissance, va être le lieu vraiment de la poche de résistance des alliés, puisqu'il y a eu une division aéroportée américaine qui était coincée dans Bastogne, qui était encerclée dans Bastogne, avec le général McAuliffe qui commandait. Et alors, Bastogne était un des hauts lieux de la résistance, qui était une des grands moments de la présence américaine pendant la guerre, un des grands moments. Ils ont eu des milliers de morts à Bastogne et dans les environs. Et lorsque mon père a vu que j'ai reconstitué des dates après, mais comme je sais que les Allemands ont attaqué le 16 décembre, il devait être vers le 20 autour de Bastogne, vers le 18 autour de Bastogne. Et alors mon père a pris la décision, en revenant du travail, que nous allions partir dans le sens opposé. Et alors, avec une charrette à bras, ce qui restait de la famille, parce que j'avais un peu des frères et sœurs un peu partout, mais enfin, moi et quelques-uns de mes frères et sœurs, nous sommes partis en direction de Neuchâtel, qui était à une trentaine de kilomètres dans l'autre sens. Et nous avons passé là-bas 6 semaines, chez une sœur de ma mère, qui était là-bas. Mais j'avais 4 ans, mais j'ai des souvenirs très précis du moment où nous partons le soir et nous faisons le chemin de nuit parce que les Américains qui étaient tout autour ne laissaient pas passer les gens parce que ça encombrait les routes. Il fallait qu'on prenne des petits chemins détournés. J'ai le souvenir très précis de ça. Et puis on est arrivé chez ma tante où on a passé 6 semaines avec tous les problèmes. Et puis après, il a fallu revenir à la maison qui avait été occupé par les Américains. C'était absolument le capharnaüm le plus complet, mais enfin bon. Donc j'ai des souvenirs, disons, de la guerre, et c'est comme ça que je peux pratiquement dater mes premiers souvenirs. J'avais 4 ans. Bon. Alors, j'ai vécu dans cette famille où ma place de cadet a été un petit peu déterminante, dans une ambiance très, très cathare, mais avec une ouverture sociale quand même. Mon père était militant syndicaliste à la Poste, il s'occupait aussi de mutualité chrétienne à Bastogne, il s'occupait aussi de politique, mais pas de politique active, parce qu'il n'a jamais été élu, mais il était dans les comités pour veiller à ce qu'il y ait toujours des démocrates qui soient présents sur les listes, au point que moi, petit enfant, qui écoutais parler, mon père racontait tout ça enfin, avec fougue, à ma mère qui ne s'en occupait pas tellement, mais alors moi ça m'a rentré dans les oreilles. Pour moi le monde était divisé entre les bons démocrates et les mauvais conservateurs. Il y avait les démocrates pour lesquels mon père luttait, et les conservateurs qui étaient les gens qui mettaient le bâton dans les roues, qui étaient les emmerdés. Donc ça m'est resté dans la tête, enfin, cette dichotomie évidemment qu'on peut dépasser par la suite, mais enfin à l'époque ça m'a marqué quoi. Et puis aussi l'idée que le chemin doit se faire un petit peu contre tous ces conservateurs qui mettent des bâtons dans les roues et qui empêchent les choses d'évoluer. Enfin bon, c'était un petit peu le monde tel que je me le constituais à l'époque. Bon. Ça, c'est le milieu familial. Et c'est l'école primaire, c'est chez les petits frères des écoles chrétiennes à Bastogne, pas de problème. Puis alors, j'arrive en humanité, mais c'est mon métier, c'est le secondaire. Pour faire un secondaire complet, il fallait pratiquement, dans cette petite ville, le faire en internat. Il y avait un petit séminaire qui faisait des études classiques, l'humanité gréco-latine, mais il n'y avait qu'un internat, parce que c'était le climat chaud du monde catholique, où on destinait les jeunes à la prêtrise. Il fallait donc faire j'étais donc interne pendant tout mon secondaire, à 200 mètres de ma maison. Et du dortoir, je voyais le toit de ma maison. Mais c'était comme ça, enfin, on ne discutait même pas, c'était ça ou rien, quoi. Ou alors il fallait aller dans les mauvaises écoles de l'État, enfin, je dis mauvaise avec des guillemets, parce que les catholiques n'allaient pas dans ces écoles-là. Bon, il fallait donc nécessairement être interne dans sa ville, tout près de chez soi.
Alors là, c'était un milieu très monacal, presque, oui, monacal, levé à 6h moins le quart, etc. Puis alors, méditation, messe tous les jours, le dimanche, on passait pratiquement le dimanche à l'église, quoi, il y avait, enfin à la chapelle de l'école, parce qu'il y avait, bien sûr la grand-messe chantée, il y avait les vêpres, et puis il y avait le salut, et puis enfin, il y avait toute cette ambiance vraiment monacale et monastique, parce qu'on était ou bien en classe, ou à la chapelle, ou à la récréation. Et de récré, j'avais un très mauvais souvenir, parce qu'à Bastogne, c'est un climat un peu continental, c'est un peu le haut plateau de l'Ardenne, c'est pas le Mont Blanc, mais enfin, il y a quand même 500 mètres d'altitude, et c'est un plateau, et le vent est assez froid, et les hivers sont, c'est pas le Québec non plus, hein. Enfin, c'est assez froid quand même. Alors, pour ne pas geler sur place, on nous mettait dehors, à toutes les récréations, sans qu'on puisse s'habiller autrement que ce qu'on avait sur soi. Il fallait courir pour ne pas geler sur place. Alors, ils jouaient tous au football. Le football me sortait de partout. Je ne pouvais plus. Encore maintenant, le football, parce qu'il y avait obligation, dès qu'on sortait, de courir après un ballon pour ne pas... Alors là, bon. Et alors, ben voilà. Donc, on a fait des géométries gréco-latines. On faisait beaucoup de grec, beaucoup de latin, surtout, parce que c'était la langue de l'Église à l'époque, le grec un peu moins, mais quand même. Alors les sciences et tout ça, ben, nettement moins. Les langues, n'en parlons pas, mais un petit peu quand même, enfin pas beaucoup. Alors voilà, c'était donc dans cette ambiance que j'ai fait mes humanités. Mais alors, il y avait dans la famille et dans ce milieu où j'étais, il y avait un effet d'entraînement. J'arrive à la fin de mon secondaire, et le problème du choix d'un métier, d'une suite, se pose. Et nous sommes dans un contexte d'un petit séminaire, dans un contexte où mon milieu familial était déjà marqué par la présence de deux frères qui étaient prêtres en voie de le devenir, par une sœur qui allait un peu plus tard rentrer au Carmel. Et alors, assez spontanément, comme beaucoup d'élèves de ma classe, je m'oriente vers la carrière, enfin ce qu'on peut appeler la carrière ecclésiastique. Et comme dans ce séminaire de Bastogne, il y avait 2 années de philosophie, je fais la philosophie à Bastogne, dans cette perspective-là d'entrer en théologie après. Alors, ces 2 années de philosophie ont été pour moi un éveil à la vie intellectuelle. Parce que déjà avant, bien sûr, j'avais des passions intellectuelles antérieurement, pendant mon adolescence. J'étais un garçon très distrait. J'étais pas trop mauvais pour les études, mais j'étais toujours dans ma tête ailleurs où il ne le fallait pas. J'ai eu ma première passion, c'était quand j'avais 14 ans, passion pour l'astronomie. Bon, mais comme on n'avait pas les moyens d'acheter des livres, je découpais dans les journaux tout ce qui avait trait à une étoile, un truc ainsi dans les journaux, dans des revues que je trouvais. J'avais fait une documentation que j'ai gardée d'ailleurs sur les choses du ciel, enfin les étoiles, le soleil, le système solaire, les galaxies, tout ça, ça me passionnait. Ça m'a duré un an, enfin un an un peu plus, et puis après je me suis passionné pour l'art. Voilà, parce que j'ai vu la révélation, un peu le syndrome de Stendhal, hein, qui arrive à Florence, dans une église de Florence, et qui tombe là véritablement parce qu'il est impressionné par ce qu'il voit, et qui sent qu'il a tous les siècles de culture au-dessus de sa tête, et il tombe là, c'est le syndrome de Stendhal. J'ai eu un petit peu ça, alors parce que avec mon frère, on allait à moto, mon frère qui était prêtre, conduisait la moto, moi j'étais derrière, nous avions circulé en France, on avait été voir Vézelay. Alors Vézelay, pour moi, c'était... J'avais 15 ans, c'était quelque chose d'impressionnant, dans le narthex de Vézelay, sentir que... l'église romane de Vézelay, c'était merveilleux. Et à peu près, on avait vu Lascaux. Alors là, Lascaux 1, le vrai Lascaux, à l'époque, c'était encore ouvert aux gens. Alors, Lascaux m'avait impressionné d'une façon colossale, impressionnante. Alors, j'avais des passions pour l'art roman, et puis l'art préhistorique, enfin bon. Et puis aussi l'art moderne. Parce qu'il faut dire que dans ce qu'on appelait les humanités, le secondaire, il y avait un peu la querelle des anciens et des modernes. Alors, les anciens étaient un peu partisans de toute la littérature ancienne, de tout ce qui était en poésie, les romantiques.
Alors, moi, j'étais toujours pris partisan des modernes. Le moderne, c'était la littérature moderne, c'était les... Quand on dit moderne, c'est le 19e siècle hein, aussi, hein, enfin, bon, mais après les romantiques, j'aimais bien Baudelaire, Rimbaud, etc. Puis alors les gens plus récents aussi, bon, et puis alors ça me passionnait. Mais alors, voilà, donc c'était un peu la grande ancienne des modernes. Toujours est-il que j'arrive en philo pour mes 2 années de philosophie ecclésiastique. Ce n'est pas tellement la philosophie ecclésiastique qui me passionnait parce que c'était un peu la philosophie, le scolasticisme revu avec le néoscolastique, le néotomisme. Mais ce qui m'a passionné, c'était pour moi une ouverture au monde intellectuel. On pouvait voir le monde d'une autre façon et le structurer d'une autre façon que ce qu'on peut percevoir par nos sens quand on se promène dans la rue ou dans la nature. Alors, c'est vraiment un monde d'ouverture au monde intellectuel. J'avais notamment 2 professeurs de philo, un qui s'occupait de critique des sciences, qui était d'une honnêteté assez fondamentale. On affirme que ce que l'on peut vérifier et que les choses qui sont certaines. Et bon, c'est un peu le principe de l'honnêteté scientifique qu'il nous inculquait. Alors l'autre était plus orienté vers la philosophie métaphysique, mais il nous ouvrait au monde intellectuel. À l'époque, il y avait Emmanuel Mounier, il y avait enfin, tout l'existentialisme, il nous ouvrait à ça. Bien sûr, il nous donnait le point de vue, le bon point de vue, il dit le point de vue chrétien, le bon point de vue, mais il nous donnait des ouvertures, et c'était impressionnant. Alors, j'avais aussi fait la rencontre d'un vieux moine de Clairvaux, au Grand-Duché de Luxembourg, une abbaye de Clairvaux, c'était une abbaye bénédictine. Il y avait un vieux moine qui venait de donner des récollections. C'était le père de Molder. C'était un gentil fantaisiste. Un gentil fantaisiste, un peu touche à tout, qui s'occupait un peu de psychanalyse. Alors, et aussi de caractérologie. Enfin, alors, comme j'habitais Bastogne et que Clairvaux était à 30 km, j'allais parfois en vélo. Je quittais aussi un gîte d'étape pour les jeunes qui venaient dans le monastère. Alors j'allais un peu tenir le gîte d'étape avec lui. Et il m'a fait un peu initier aux tests projectifs de la psychiatrie, les tests de Zondi, les tests. Enfin bon. Alors c'était amusant de pouvoir un peu m'initier dans ce monde-là. Bon, pour moi, les 2 ans de philo ont été des années d'ouverture intellectuelle maximale. Alors, on avait droit chacun à une chambre, parce que dans les petites années, on avait des dortoirs communs de 100 personnes, mais quand on arrivait en philo, on avait chacun sa chambre, à condition, bien sûr, de passer son temps à faire de la philosophie, à relire ses cours. Lire des romans, ce n'était pas vraiment ça. Alors, comme j'avais ma table, je mettais mon roman dans le tiroir. Alors, si on frappait à la porte, je m'avançais comme ça pour y entrer. Alors, le roman se refermait dans le tiroir. Donc, parce qu'évidemment, alors j'ai lu énormément parce que pour moi la philo n'était pas un problème. Quand je sortais du cours, j'avais compris, je n'avais pas besoin de relire tout le temps la même chose. Bon, alors évidemment, j'en profitais pour lire. Alors c'était des années vraiment d'ouverture parce que j'avais un temps que je ne retrouverai plus après, un temps impressionnant pour lire, pour lire autre chose. Que des cours ou que d'avoir c'était vraiment merveilleux parce que pas de problème de travail, pas de problème pour gagner sa vie, pas de problème pour s'occuper de quelque chose, on avait du temps à soi pour réfléchir et pour lire. Alors là, j'ai lu du Kafka, du Dostoïevski, ce qu'on ne pouvait pas lire à l'époque dans les séminaires, mais enfin, avec mon procédé, il n'y avait pas de problème. Alors, je me suis aussi ouvert enfin, à tous les problèmes du monde, enfin, notamment le Josué de Castro, la géopolitique de la faim, toutes ces choses-là, ça m'a passionné. Et puis alors, après, le problème, c'est qu'après après ces 2 années de philo, il fallait que j'entre au grand séminaire et mettre la soutane et tout ça. Et je ne me sentais pas mûr pour le faire. Parce qu'en fait, si les 2 années de philo m'avaient intéressé, m'avaient ouvert intellectuellement, j'étais de plus en plus mal à l'aise dans une voie que je n'avais pas vraiment choisie, mais où j'étais entré par entraînement familial, par entraînement scolaire, par entraînement du milieu. Et je me dis, mais
qu'est-ce que je fous ici ? Enfin, bon, alors, je ne me sentais pas prêt à aller dans les parties théologiques du séminaire qui se trouvaient à Namur, à me mettre une soute. Je ne me sentais pas du tout prêt à ça. Et je vais m'en ouvrir au président, enfin au supérieur du séminaire, que je lui dis, il me dit, ça va ? Il dit, mais alors il me conseille d'aller faire un an, d'aller faire quelques années à Louvain, au séminaire Léon XIII, qui était un séminaire qui acceptait les jeunes qui devaient avoir une formation universitaire avant de faire la théologie. Alors je dis oui, je vais. Mais comme j'avais déjà fait 2 ans de philo, je me dis bon, je vais faire l'histoire, parce que ça m'intéressait. Et alors c'est ainsi que je suis arrivé à Louvain, à Leuven, à l'université, au séminaire Léon XIII, qui hébergeait ces jeunes, qui suivaient des cours à l'université et qui faisaient d'autres études. Et je suis arrivé là, et c'est ainsi que j'ai commencé l'histoire. Mais peut-être bien que je suis arrivé au bout de cette première séquence, me semble-t-il.